Bon, nous faisons une conférence de presse parce qu'il bizarre faire une conférence de presse parce qu'il croit un événement qui finit là. Nous bizarre commande un petit peu. Surtout nous au PMSD, nous très ravis que nos leaders et ministres des Finances, dans un mois, nous finissons des décoration. Première décoration ligne gagnée, c'est African Minister of Finance qui est décerné par Africa Investor, qui est un groupe international dans finance et communication. Et sa cérémonie-là, tu tiens à Washington en même temps qu'il tient à Rayon, World Bank et FMI. Xavier, il vient pour l'année 2013, African Minister of Finance. Mais le fait rare, c'est que dès l'année consécutive, il vient African Minister of Finance. Pour elle, la même les très grandes affaires, mais dès à la suivre, c'est qui ban africain reconnaît en Xavier Duval quelqu'un qui vraiment peut œuvrer pour l'Afrique. Sur l'ouverture qu'il peut faire pour l'Afrique, sur le travail qu'il peut faire pour l'Afrique, c'est la même quelques temps de cela, un magazine africain qui nomme Xavier l'Africain. C'est qui banane fait adopter Xavier comme un Africain, vit sa vision qu'il y a pour l'Afrique, ce partenariat qu'il y a envie et la Maurice et l'Afrique, et ça peut couronner aujourd'hui, dès à la suivre, c'est quelque chose de très rare, mais nous très réjouis pour ça, parce qu'au moins, il y a banane. Organisation internationale qui peut reconnaître la compétence de Xavier Duval, peut reconnaître la vision de Xavier Duval. Et sa vision-là, il peut venir payant. Alors nous sommes très contents et en même temps nous félicitons nos leaders pour sa dénomination des fils qui ont gagné Africa Investor. Et cette semaine-là, hier, à plus tard qu'hier, le président Ali Bongo, Indeko Xavier, commandeur de l'étoile équatoriale du Gabon. C'était une cérémonie, j'ai envie de faire une très privée, parce qu'il y croit que ça, c'est une décoration qui mérite une attention spéciale. Vu relation du deux familles qui est là, la famille Duval et la famille Bongo, le président il insistait qu'il nous fait aller dans l'intimité, et ça, c'était qui passe très très bien. Que tu ne révises, on va dire, coupe ND sur les autres activités pour être capable de joindre Xavier et sur l'équipe Pichila. Et nous remercions le président Bongo pour sa geste d'amitié et sa geste de reconnaissance. Des trois jours de cela, le président Bongo, il vient Maurice. Ça fait suite à l'ouverture qui gouvernement infère de l'Afrique. Gouvernement, sa gouvernement-là, mort dans l'Afrique, côté aujourd'hui, pour nous, Mauritien n'est plus une frontière dans l'Afrique. Parce que nous enlève visa. Pas peine à visa, peine à frontière. Il y a 75 pays qui nous tiennent visa, mais l'Afrique.
qu'elle a vendu ici. Nous pouvons suivre des bons taxis, je n'agrément avec beaucoup de pays. Et président Bongo, il a insisté pour l'Ivin ici à Maurice. Et sa visite ici à Maurice fut un succès. Quand il y a la cour, quatre la cour principale qui fut signée, mais en tout cas, il y a une douzaine des autres la cour ensemble qui ont signé. Et tout de suite après, nous pouvons trouver Frila Bévini. On a beaucoup d'investisseurs mauriciens qui très prochainement paient à la Gabon. Et là, il y a Thomas Carin qui, le 11 novembre, paient ou fait même l'usine au Gabon. Ce qui, nos gouvernements, finalement, ont une vision, nos gouvernements, finalement, ont un commitment, et nos gouvernements, ils croient dans l'Afrique. Mais tout ça là, tout ça volet africain qui peut aller là, tout ça là, nous bizarre remercier Gaëtan Duval, c'est grâce à sa vision, c'est grâce à son contact, c'est grâce à son carnet d'adresse qu'il tient là, qu'il finit jette les jalons 20 ans de cela. Il fait montrer nous la voie africaine. Aujourd'hui, ça peut vivre un succès. C'est grâce à Gaëtan nous remercier pour le faire. Gaëtan, tu es camarade. Gaëtan, tu es camarade avec Omar Bongo, le père de Ali Bongo. Gaëtan, tu es camarade avec Léopold Sédar Senghor. Qui s'en a qui pas connu Léopold Sédar Senghor? Qui nous a l'occasion ici, pour le Mauritien, dans le congrès de Tivini. Qui s'en a qui pas connu pour Fred Boigné? Qui s'en a qui pas connu ce grand leader africain qui gagne ton camarade en tout cas? Il fait faire ça l'ouverture là. Aujourd'hui, là, nous pouvons récolter ça. Quelque chose qui gagne fait là. Il trace la voie et aujourd'hui, Xavier, avec l'équipe gouvernementale, peut prendre nous, peut amener nous dans l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. Comme on dit, nous tirons frontière en Afrique. Longtemps, tu peux dire, nous, Maurice est une passerelle. Oui, Maurice est une passerelle, mais Maurice, aujourd'hui, de plein pied dans l'Afrique. Peine à frontière. Pena visa, c'est une question un petit peu noir les corps, géographique, mais culturellement, nous les guerres, c'est l'Afrique. L'Afrique et l'Afrique. Quand nous trouvons Xavier Bédécouré, ND et président Invini, il exprime ce vœu qu'il est content et n'a sa porté Noria Maurice Gabon là, voilà dire ça avec nous mais pas contre nous, hein? Passons nous avec nous mais passons nous. La Zélie lui montrer une petite chose qui vraiment lui envie elle porté Noria sincère et nous nous croyons là. Quand Xavier Tchévini, quand dans ce tenue ministre des Finances, nous fait signe qu'il nous nomme un ambassadeur. Ambassadeur, un roving ambassadeur pour l'Afrique. Et nous avons un consul honoraire de tout un grand capital dans l'Afrique. Nous, roving ambassadeur, fait travail et aujourd'hui, de trouver sa l'ouverture qui finit dans l'Afrique là. Aujourd'hui, l'Afrique à la mode, disons. Tout pays, toute puissance peut galoper pour rentrer dans l'Afrique. Mais nous, 20 ans de cela, nous finissons dans l'Afrique. Nous, dans le COMESA, nous dans l'Union africaine, ça c'est sûr, nous dans le COMESA, nous dans SADC,
Hein, et pas oublier qui nous diffère, le grand conférence ici, quand tu prends tout le monde africain, tu amènes dans l'Ouest. Là, l'ouverture, l'Afrique. Alors pour nous, nous très contents que nos politiques africaines à payer. Nous très contents qui surtout, pour moi, surtout, peut-être un aspect personnel, comme on trouve Xavier Ingeis à des Award African Minister of Finance, comme on connaît qui dans sa l'équipe nomination là, dans sa 6 timoun qui ti, vous avez besoin de nominer, après ça, elle est là, Award. Dans sa bande nominée là, tu as Pravin Gordhan qui ministre des Finances de l'Afrique du Sud, vous autres. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est une puissance. Ce ministre des Finances, tu nommé ensemble avec Xavier, mais Xavier qui émerge. Xavier qui vient le ministre des Finances de l'Afrique. C'est marvelous. Pour nous très contents. Right? Et bon, moi, je n'ai pas l'occasion vraiment pour féliciter parce que moi, je suis venu, je rentre avec le président Bongo. Moi, encore, ça mérite de fêter Jim. Parce qu'il ne faut pas connaître si pas il y a un autre ministre des Finances qui finit deux years consécutives, African Minister of Finance. Alors, pour moi, ce qui motive envie, commente et surtout félicite Bandimoun qui finit faire son travail dans l'Afrique et nous devons continuer dans ça. Pour direction qui finit aller là. Pour l'Afrique, ça se fait. Et en même temps, nous ici aussi, nous sommes ici à Maurice. Ici à Maurice, finalement, la grand causé qui finit causer. Et là, une affaire qui pour nous tient envie de faire comprendre qui le Commission Justice et Vérité. Peut causer, peut refaire quoi, qui sa gouvernement là, pas peut faire rien, et surtout qui Xavier, pas peut faire rien. Faux. Commission Justice et Vérité. Commission Justice et Vérité. Finena, ban recommandation qui Xavier Duval fin faire. Et la 19 recommandations qui Xavier Duval fin faire. Et sa ban recommandation là, il finit commence à implémenter. Et ça, je connais, il y a quelques temps de cela, il finit commence à faire lire. On va pour nom ça la liste qui est là ici là et mais en tout cas nous croyons que nous peut aller dans la bonne direction, nous peut faire ce qui peut bien faire. La commission justice et vérité a pu faire ce travail. Et finalement, un autre comité qui présidé par l'Land Research and Mediation Commission, qui est dans Zach Pangloz, Philippe Etienne et autres là-dedans. Et là, ben là, pour prendre un avocat qui peut employer à plein temps, si pas peut capable, parce qu'il pas peut gagner un avocat qui peut recommander un travail pour le gouvernement, pour que ça va nous faire l'acte là. Ça, nous très conscients là. Et là aussi, nous comités pour nous capables de trouver un lisou nos affaires la terre. Parce que si nous étions, pas connais moi, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a la terre qui me perdit. Mais vous connaissez qu'il y a beaucoup de autres du monde, il y a la terre, qui sont parents, qui là, par contre, papier côté, mais pour autres. Et aujourd'hui, un paquet, il prescrit, tu es là, toi? Bizarre, non. Prescrire ou soit, mais nous avons envie au moins
rétablir tout ça dans les affaires là as fort as possible. Parce qu'il n'est pas possible qu'un monde se famine dans la terre, vu ça l'étendant qu'on est machete, il perd sa main dans la terre. Mais là, la question de compensation, même pour le Béranzine, il y a comme ça, il y a une affaire bien compliquée ça. Alors, nous guettons comment nous avons fait, mais ce qui nous fait, est la 19. La bande du peut faire quoi qu'ils avaient du mal pas faire. Non, rien. Mais il y a 19 bonnes recommandations qu'ils font, ils passent dans le cabinet ministre, ils approuvent et puis commencent à mettre les en pratique. 19. Là-dedans, sa création de Lindbergh, vous connaissez qui est là. Dans la Cour suprême qui prend un database pour faire, pour le connaître, la terre qui peut causer là. Tu fais ça en longtemps dans les temps français, comment capable remettre à jour, capable redonner tout ça là. La terre peut causer beaucoup. Equal opportunity act. Ça aussi, il y a une recommandation qui fait faire pour cette commission, une cause à Equal Opportunity Act là, qui tout ça là, Equal Opportunity Act nous connaît aujourd'hui, l'une des actes en vigueur. Equal Opportunity Commission a fait travail, finalement, Equal Opportunity Tribunal qui fin déjà fini mettez. Tout là fait travail, aujourd'hui, pas pour capable, il y a une personne qui pour. Et un pour ami, une chose qui est une coopération étatique, bien à tout. Ça, encore chez là, bien répété. Même quoi ça, encore chez là, à peu répété. Alors pour nous, ben, des gens qui ont envie de mauvaise foi, viennent faire croire qu'ils ne peuvent faire non, ce n'est pas vrai. Nous nous disons que la commission justice et commission. Justice et vérité, il commence un travail là, recommandation il fait, un petit peu normal. C'est pas gâteau piment, ça n'est pas mettre Dakaraï, tirer sur le il prend sur les temps, besoin de mettre en place, besoin d'établir sur la procédure. Nous finissons comment se faire, et pas pour être le 19, il y a encore qui peut venir devant, il y a encore une recommandation qui peut venir, parce que nous sommes conscients qu'il y a un secteur de la population qui souffre injustement. Et nous sommes capables de rétablir Bandjimouna dans ce droit. Voilà des choses qui m'ont envie de causer aujourd'hui, surtout pour nous, des affaires qui sont importantes. Nous nominations de Xavier Duval, des fois ministre africain en finance, d'une décorée par Omar Bongo, et nous, politiques africains qui gouvernement peut prôner, il peut aller bien, et là, surtout, nous avons envie de remercier nous, Angèle Lider Gaëtan Duval, pour nous montrer nous la voie africaine. Voilà, un petit peu. Qui nous là, mais nous ne pouvons pas rester tranquille sans qu'il me souhaite bon courage, mon camarade Rama Valaïden, qui est notre ancien secrétaire général et qui est attorney général. Mais c'est quoi, il y a une affaire à la police, nous pas pour interférer dans les affaires de la police, nous pour laisser la justice suivre ses cours, ou la justice. Comme un ami, vous souhaitez bonne chance dans ce bas de difficulté qui était. Voilà un petit peu. Vous avez des affaires? J'ai la question. Non, mon pape connaît ce qui me connaît, c'est qu'il y a un high powered committee qui est présidé par Xavier Duval, qui fait 19 recommandations, et sa 19 recommandations là peut finir commence implémenter. Ça va mon fait.
mon fait qui me fait établir aujourd'hui, puis maintenant il y a affaire avec le reste du monde sous action. Hein? Mais si du monde de mauvais, soit pas fait comprendre, ça nos affaires. Mais nous, nous avons établi ce qui avait ce comité fait faire. Il y a 19 recommandations qui finit commence à implémenter. On dit, il y a une recommandation qui peut dire tout le temps l'affaire compensation. Et même pour le Béranger, il dit que vous avez des affaires plus compliquées. Nous, mais même les compliqués, pas bah, que nous recettes lit. Non. Encore peut travailler. Mais 19, il finit faire. Qui vous pensez que c'est pas le ministère? En fait, c'est ma déterminaison qui fait faire, ma contestation qui est un peu ça. Qui veut le mieux par rapport à ça, surtout la hiérarchie? Ah, la Cour suprême. Ok. La Cour suprême, c'est dernier rapport qui n'est pas très content, qui m'a dit, il a doute la Cour suprême. Parce que le dernier rapport, ça. Il y a un written law qui vise à respecter la hiérarchie. Et nous aussi, nous avons souhaité qu'il y ait aussi respecté. Comment pas capable d'interférer dans les judiciaires? Alors, nous avons souhaité que les judiciaires, dans sa sagesse, ils continuent à respecter la procédure que tu peux faire. Avant, pas même disturbe quelque chose qui nous a mis à faire. Nous souhaitons que ce petit malaise qui fait là, la Cour suprême là, nous espérons que ça déjà nous, mais dans le futur, nous espérons que ça ne va pas répéter. Nous continuons, d'après ça, un written law qui était là, nous respectons la hiérarchie. On trouve aussi qui est le côté, c'est le côté bourgeois qui est un peu mais une fois qu'il arrive, il a oublié ça. Nous trouvons qui est-ce qu'il est en train de défendre le secteur bourgeois? Écoutez, dans l'enquête en cours, vous pas envie là à faire un commentaire ou quelque chose. Vous pas contre le fond, je ne suis pas contre le fond. Right? Nous pouvons cause bande d'affaires ce qui nous peut tendre, nous pouvons cause à peu près. Non. Laisse ça l'enquête là arriver, parce qu'ils ont déjà dire comme ça, et ils font confondre presque tout, ça, monsieur-là. Ça, ça peut nous montrer sur bonne foi. Alors, laisse la police faire son enquête, nous encore croire dans la police pour faire une bonne enquête, et nous allez. Bon. Finalement, bande ces affaires. Qui finalement. Mais nous secteur financier dans Maurice, pas finir que la bouche, les amis. Hein. Ça a nous besoin bien clair. Alors, là. Nous, secteur financier, qui est offshore, qui est autre, en causuire une bonne réputation, en causuire confiance du monde. Alors, nous besoin faire tout pour nous préserver ça. Bon, nous ne sommes pas capables de ces affaires arriver pour ça. Nous t'as souhaité qu'ils aient aussi pas là du tout. Mais nous pouvons faire ce qu'ils bien faire, mais la confiance bizarre là dans le secteur. Et la confiance là, elle est là. Confiance là, elle est là. Right? Et surtout quand on a Xavier Duval qui est à la tête du ministère des Finances, nous tout connaissons l'honnêteté de Xavier Duval, nous connaissons l'intégrité de Xavier Duval, nous connaissons la compétence de Xavier Duval. Quand vous êtes lui-même, vous trouvez une image, compétence, intègre, honnête et tout. Et que l'opinion a fait de la polémique, de la politique, de la forte identité. Et puis le BNZ se positionne par rapport à tout ce qui fait passer, tout va compter ça. Comme toujours, nous, le BNZ, quand on voit de la cour, nous ne parlons pas de cause là-dedans. Et dans la même caisse, pourquoi docteur Mahadeo il met son caisse, la montagne Pravin Jagnat peut mettre son main caisse, hein? Nous encore faire confiance à la Cour suprême. Il y a un débat autour de l'autre de la identité. Nous pouvons faire débat quand c'est nous content. La Cour suprême qui vous décide. Au final, c'est la Cour suprême qui vous décide. Mais nous attendons de décider. L'espérance ne va pas trop beaucoup les dents, ils ont décidé. Mais là, ce qui est montagne aussi là, et ce qui en Allemagne, pas en Allemagne,
la Cour européenne, hier, c'est une contestation pour l'empreinte digitale ou leur passeport. L'empreinte digitale ou leur passeport. Mais la Cour européenne, il dit comme ça, l'illégal. C'est un monsieur Timété, qui dit comme ça, non, il n'est pas trop ça légal, qui sont l'empreinte digitale, besoin de son passeport. Mais la Cour européenne, il dit, oui, biométrique, correct. À ce temps-là, nous avons qui dit. Sinon, au prochain budget, le ministre des Finances, MLT, je vais mettre un petit peu mal du monde, comme d'habitude. Comme d'habitude, dans la sécurité, comme d'habitude. Mais toujours, comme d'habitude, il faut un budget responsable. Un budget responsable dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, quand il y a une secousse encore, la crise qui est économique, nous, M. Xavier, nous comprenons qu'il faut un budget responsable. Parce que nous avons un pays pour guetter, nous avons un peuple pour nous guetter. Ce peuple-là nous connaît dans tout ce strata, chacun pour nous être confortable dans son élément. Xavier est très conscient de ça. Xavier connaît ça. Et surtout, le passage de Xavier, l'étant l'étial dans le ministère Empowerment, intégration sociale, il connaît le fond de la pauvreté ici. Il vive lui. L'énal d'abord, quand côte Bizet, c'est le ministre qui a le courage de descendre dans Caro-Calyptus. Caro-Calyptus qui tient l'endroit infréquentable. Xavier Duval, avec la belle ici, descend de Caro-Calyptus. Xavier Caro-Calyptus, une ville est résidence. Rosebois. Quand là-bas, tu as un dépotoir, les descendent, il fait dépotoir, il un jardin, un leisure park. Xavier connaît quand la poche de pauvreté était et il connaît qui est là pour le faire. Monsieur Xavier, pour faire ce qui nous a fait. Moi, mon Dieu, il y a un budget responsable, il y a un budget qui nous est capable de répondre pour l'avenir. Parce qu'il y a un pays, il y a un peuple pour nous guetter. Qu'est-ce que vous avez? Correct? Allez, merci.